voici Hortense Malofeschi. Bonsoir Hortense, merci d'être venue jusqu'à nous. Ah bonsoir. Ah ben merci, pour merci revoir Jean-Pierre. Ah, ah ben pour le revoir, puis il n'a pas changé, tu as toujours ce visage aussi joli, cette coupe de cheveux aussi vilaine, en revanche, ouais. Mais vraiment tu n'as pas changé. Qu'est-ce vous l'avez connu avant qu'il ne se lance dans le cinéma. Hein. Oui, parce que moi j'ai même connu Jean-Pierre Bocchi, avant qu'il s'appelle Jean-Pierre Bocchi, il s'appelait Jean-Pierre Bocchi-Jovski. Et il a été voir, c'est une anecdote assez rigolote, il a été voir une voyante qui lui a dit, parce qu'il voulait faire du cinéma, et elle lui a dit, tu te souviens la moque, bah raconte un peu, ouais. Elle lui a dit que c'était trop long. Que c'était trop long son nom, qu'il fallait enlever la fin, et c'est comme ça que Bocchi-Jovski est devenu Jean-Pierre Bocchi. C'est vrai, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et c'est comme ça que moi, il m'a dit, si tu veux percer dans le cinéma, fais la même chose. Donc Hortense Malofeschi est devenue Hortense Malofes. Vous imaginez, alors, évidemment, le genre de rôle qu'on peut tomber. Ah ben oui, mais ça n'a pas duré. Je ne sais pas si on peut revoir des photos de Jean-Pierre Bocchi. Ah oui, il faut le voir, parce que jeune, beau. Mais c'était... Bon, hein, tu étais beau. C'était un... Je ne suis pas beau, je suis comme toi, je ne suis pas beau. C'était un vrai jeune premier. C'était un jeune premier, il était beau. On le prenait pour Alain Delon. Gérard Philippe. Oui. Il a même été la doublure de Gérard Philippe. Oui, oui. Hein, dans quel oui. film c'était déjà dans ça. Les Belles de Nuit. Oh là là, il était beau. Les il Belles était... de Nuit de René Clair. Ah oui, il était beau. Ah oui, ben, s'il te plaît, c'est entre nous maintenant. Ben, hein, tu nous laisses tranquille. Et moi aussi, ben, donc j'étais belle. Moi, on me comparait aussi à la plus grande des actrices françaises. Ah oui, qui Madame Auré, Simone Auré. Ouais. Qui ça mais quoi, c'est Simone Auré, casque d'or, le chat, Jean Gabin. Vous voulez dire Simone Signoret? Bah évidemment qu'elle signerait, puisque c'est son nom. Si quand on lui demande un autographe, elle va signer son nom. Vous, monsieur Requier, vous signez Requier, donc là, c'est la même chose. Non, mais tout ça pour vous dire que j'étais très belle à l'époque et qu'évidemment, il y a eu un phénomène d'érosion comme pour moi. Ouais. Mais vous n'avez jamais tourné dans ces films? Alors si, bah si, je peux le dire. C'est dans un de ces films qui n'est pas d'ailleurs, hein, qui n'est pas... qui n'est pas le plus connu, qui s'appelle Les couilles en or. Hein, tu te souviens de ce film? Tu avais le cul nu à ce moment-là. Ah, évidemment, ah oui, puisque c'était un film classé 10. Comment ça voulait dire classé X? Oui, en chiffre romain, on dit classé X, effectivement. Et en chiffre arabe, on va dire classé 10. Ah oui, parce qu'à l'époque, j'avais un corps de rêve. Je peux vous dire que j'avais la plus belle poitrine, tu peux le dire. J'avais la plus belle poitrine du cinéma français. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas duré, je dois l'avouer. J'ai même la poitrine au niveau des genoux, si vous dire. C'est vrai. Vous êtes dur avec vous-même, là. Ah non, je ne suis pas dur avec moi-même, c'est normal. C'est le phénomène des rejets. Et ce n'est pas une expression. Quand j'ai la poitrine au niveau des genoux, bah, je peux vous montrer. Tenez, regardez. C'est quand même... Bah, ce sont des rêves. Il reste un peu de laisse pour te faire un doigt. Non, mais d'ailleurs, c'est très. Vous avez l'air blessé. Mais oui, je suis blessé parce que c'est très compliqué ce genre de choses. Quand je rentre à la maison le soir, il y a mon caniche abricot qui me fait la fête. Alors il saute avec ses petites pattes et il me griffe. Et puis surtout, ça me coûte une fortune en quoi? En billets d'avion. Pourquoi en billet d'avion? Ben oui, parce que je ne peux plus voyager en écho parce que j'ai le téton qui touche le fauteuil de devant. Donc je suis obligé de prendre de la business parce que sinon, bon, sur un Paris-Nice encore, tu vois, une heure, ça passe, c'est assez excitant, je dois dire. Mais sur un Paris-New York, c'est très douloureux, c'est très irritant. J'ai des crevasses au niveau des bon, je range. Est-ce qu'on peut revenir? Tu veux regarder encore, hein, parce qu'on dirait que tu fais-toi plaisir. Tu vois, est-ce qu'on peut revenir au film, Hortense? Tu les connais? Le film dans lequel vous avez tourné pour Jean-Pierre. Oui. Alors, racontez-nous ce film. Eh ben oui, eh ben ce film, tu l'avais tourné sous le pseudonyme de Batman. C'est vrai, Serge Batman. Ouais. Et raconte un peu comment tu tournais ça. Un vrai film X que vous avez tourné. Oui, mais il était trop beau le film. Ah bon? Les culs étaient beaux, le décor. C'est gentil. Et les gens n'aiment que les films porno crades. Ah. C'est dégueulasse. Et ils s'identifient là. Autrement, quand les trucs sont trop beaux, ben ça marche pas. Les types, ça leur fait rien du tout. Et raconte un peu comment tu tournais, parce qu'il s'appelait Batman. Mais Batman, j'avais un masque qu'on me reconnaisse pas. Et alors on l'avait tous, le masque de Batman. Mais c'est la faute à Giscard. C'est lui qui avait permis les films porno et qui nous avait empêché, nous auteurs, d'avoir des salles. Ben oui, des salles. Je lui ai dit encore hier. Vous aviez du texte dans le film? Ouais, non, j'avais pas de texte. Non, on avait tous des surnoms de ben justement des soupirs, il y avait beaucoup de soupirs, il n'y avait pas de texte. Voilà, alors je lis, moi j'étais super gémi parce que moi mes dialogues c'était
Bon. Alors il me donnait des indications derrière, il disait, allez, vas-y, gémis, super, gémis, oui, voilà. C'est comme ça que je suis devenu super gémis. Alors, c'est le moment de le dire. On est tous sur le même... C'est le moment de faire des révélations, Hortense. Oui. Est-ce que Jean-Pierre Mocky fait partie de ces réalisateurs qui couchent avec ses comédiennes? Bah, faut le dire un petit peu. Tu peux, non, mais d'autant qu'il avait un secret pour attirer les filles dans son lit. Ah oui. Oui, c'est qu'il leur faisait faire du vélo. Comment parce ça? Qu'il a une théorie sur le vélo. Hein, bah, raconte un petit peu. Quand oui, les femmes qui font du vélo, oui, oui, elles sont contentes après. Oui, voilà. Ça, c'est dans le livre. Hein. Il l'a mis dans le livre. Ah, oui. Le cheval aussi. Voilà, il dit qu'une femme, quand elle fait une heure et demie de vélo, elle est toute offerte. C'est comme si elle avait baisé toute la nuit. Voilà, t'imagines Jenny Longo, 50 ans de vélo. Le chaudron, je peux dire qu'à la marmite, t'es chauffé à mort. Hein. Et alors, vous-même? Ah ben moi, ah ben, je ne remercierai jamais assez l'installation du Vélib, ça permet d'avoir une sexualité épanouie. Et alors, ben je t'ai fait un petit cadeau ce soir, enfin je me suis fait un petit cadeau aussi parce que j'aimerais bien qu'on remette un petit peu le couvert ensemble. Je suis donc venu à vélo, en Vélib, et je vais repartir avec, et je vais faire le tour du pâté de maison le temps que tu termines l'émission, ce qui fait à peu près une heure et demie, je crois, monsieur Roquet. Et comme ça, je reviens, je serai chaude bouillante. Voilà, je t'attends dans le dernier. Donc si qu'on m'amène mon vélo, je pars dès à présent, voilà. Donc Jean-Pierre, je te souhaite une bonne émission. Venu. Je suis là dans une heure et demie et je te retrouve. Voilà, je vous dis au revoir. À tout de suite. Donc vous avez rendez-vous dans la loge d'Hortense. Dans une heure et demie, elle sera prête. Oui, j'espère quand même que. Parce que c'est. Oh là là. Oui, parce que c'est pas évident. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Hortense. Voilà, on la voit encore. Hortense. Elle est forte, hein. Elle va être blasée quand elle va revenir. Hortense. Hortense. Hortense, ça va, il n'y a pas trop de problèmes, Hortense. Ça va, juste au niveau de la poitrine, mais ça va. Vous pouvez applaudir Jonathan Lambert, toujours aussi fou. Un dernier mot. Jonathan Lambert et Hortense s'en vont, boulevard Clichy. Un dernier mot sur Bourvil, parce que c'est un comédien que les Français, même les plus jeunes, continuent à aimer aujourd'hui, parce que heureusement, ces films passent et repassent avec De Funès, évidemment, mais Bourvil était un vrai grand comédien. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Parce que c'était un frère, vous savez, quelquefois, il y a entre. C'était un paysan, et moi, j'étais plutôt un intello, mais il y a eu un amour entre le paysan et l'intello, et c'était formidable. Combien de films avec lui? Quatre. Quatre films. On était tout le temps ensemble et c'était merveilleux. Et je crois que j'ai rarement rencontré une amitié comme ça, peut-être pas du tout même, parce qu'on riait, vous voyez, ce qui est bon, c'est de rire un ouvrier qui rit ensemble. Il n'y a qu'au foot, mais le foot, c'est pas pareil. Vous racontez un truc incroyable. Vous dites, il m'est arrivé une chose étrange avec Bourvil. Je l'ai côtoyé jusqu'à sa mort. Nous avions encore des projets ensemble. Un jour, alors qu'il était très malade, il m'a emmené jusqu'au cimetière de son village. Là, il m'a montré un coin sous un arbre et il m'a dit, c'est là que je veux être enterré. Très peu de temps plus tard, hélas, il est mort. J'étais à son enterrement, mais la tombe était creusée de l'autre côté du cimetière. J'en ai parlé à sa veuve pour lui rappeler les dernières volontés du défunt. Pas question, qu'elle m'a répondu. Je crois qu'elle était furieuse parce qu'elle pensait que Bourvil la trompait. Plus tard, pleine de remords, elle m'a rappelé. Vous avez raison, j'ai eu tort de ne pas l'enterrer à l'endroit qu'il avait choisi. Je vais aller voir si on peut le changer de place. Elle s'est fait conduire par un ami. Au moment où ils s'approchaient du cimetière, ils ont eu un grave accident d'automobile. Elle en est morte. Je n'ai jamais pu m'empêcher d'y voir un signe du destin ou de Bourvil. Vous croyez vraiment à ce que vous dites? Ben oui, je crois que c'était. Il y a quelque chose de frappant, d'autant que le jour où il est mort, à 9h37 du soir, j'étais dans un restaurant et j'ai vomi sur la table. Ce qui n'était pas normal, si vous voulez. Donc il y a quelque chose entre lui et moi. C'est quand même bon, des histoires étonnantes que raconte Jean-Pierre Mocky. Il n'y a pas que des pensées, des réflexions. Il y a aussi évidemment des anecdotes amusantes, croustillantes. Aussi une réflexion sur le cinéma dans son ensemble. C'est plus vers la fin. 13,50 € TTC. C'est Jean-Pierre Mocky chez Le Cherche-Midi Éditeur. Merci Jean-Pierre.